La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Non. Ah, là, la vieille marina. Achetée par le Dick Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Bon, je vais passer par là, hein. Je pense que j'ai pas trop le choix, les amis. Poussez-vous! Poussez-vous, j'ai dit! Dégagez! Allez, plus vite, plus vite! Non! Fais chier! Ah oui, mais oui, mais oui, je suis con. Ça me fait vraiment chier, skin notre moto. Ah bien sûr, je peux pas monter, évidemment. Ah ben c'est sûr, elle a filé. On recommence. Non. J'arrive à donner un sauvegarde. Je suis obligé parce que voilà, j'ai perdu ma moto et c'est mort. Voilà. Bien sûr, ça se fait toujours la nuit, ça c'est pas en plein jour, hein. Voilà, comme ça tu vois pas ce qui se passe. J'adore. Franchement les gars, je kiffe quand ça se passe en pleine nuit parce que tu vois rien. Ce que je regrette dans ce jeu, c'est les temps de chargement. C'est abusé les gars. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Non, tu ne me vois pas. Non, tu ne me vois pas. Qu'est-ce qu'on a pas loin? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Non. Ah, là, la vieille marina. Achetée par le Dick Queen en 1967. C'est forcément là. Regarde-moi cette moto qui part en couille. Depuis les années 80. Je vous conseille de partir. Hein. Voilà. Oh mais je fais tous devant moi, c'est pas possible. Hein. Regarde-moi cette moto, comment elle fait pour se bloquer? Elle va où là? Je pense qu'elle continue tout droit. Passez où?
Voilà, c'est ce problème. C'est que pour moi, que pour me cacher, moi j'appuie sur B. Et B c'est pour monter. Voilà, j'ai un problème de touche. Parce que pour moi, j'étais habitué au jeu où pour se planquer, ça a été B et jamais A. J'ai essayé de tous me les faire. Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Tu peux te faire passer pour un Monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen ? Nicolas Crespin. 32 ans. Américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Et ben voilà. Oh la vache. Il y a une liste de ses préférences. C'est un malade ce mec. Et blindé de pognon. Et ben il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire ? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok, je vais l'attendre là-bas. Bon voilà, donc je vous avais dit que j'allais tous les éliminer, ben j'ai tous éliminé à place de m'enfuir. Voilà, bon ils sont tous morts. Ah, il y a un truc à savoir. Le concessionnaire est à Mad Mile. Je dois d'abord pirater le centre de contrôle du district. Bon, t'as fini, je peux parler. Donc la marina est le point de rencontre des amateurs de navigation de la ville. Ce n'est que tout récemment qu'elle a commencé à se défaire de son image d'endroit associé au milieu criminel. Entre 1960 et 1966, la police a retrouvé près d'une douzaine de corps.
dans les eaux de la marina, tout semblant indiquer qu'il avait été correctement yesté. Lesté, d'accord, ok. Bien qu'aucune accusation n'ait jamais été portée, ces morts ont toutes été attribuées au Chicago Sound Club. Oh yeah! Alors, pour la plateforme, s'il te plaît, ouvre-toi. Donc, pas là. Donc, j'ai vu que j'avais un point de compétence. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Trois points de compétence. On peut améliorer en combat, en conduite, en piratage. On peut pirater quoi? Perturbe les communications ennemies. Non, on va quand même acheter, voilà, ça. Comme ça, on peut fabriquer le fameux... comment ils disent, le fameux EEI. Donc EEI, t'es où? EEI, fabrique. Voilà, 6. C'est bien 6. Alors, boost, focus, et voilà. Comme ça, on range le petit pistolet. On ouvre la porte sans déclencher l'alarme. C'est très très bien. On coupe le morceau et on va aller... Non, c'est l'échec. C'est quoi? C'est des paris. On va aller faire un petit pari comme ça au calme. Et après, on ira à la mission. Oh, elle est forte. Bienvenue dans Power Profiles. On s'intéresse à Lucky Queen. Chicago ayant le passé criminel que l'on connaît, Lucky Queen comprend rapidement comment faire pour gagner de l'argent. J'ai connu ce que vous appelez des gangsters, oui. J'en ai même rencontré plusieurs. Le plus attiré des ennuis. Comme tous les jeunes à l'esprit rebelle. C'est d'ailleurs cet esprit rebelle qui le poussera à enfreindre la loi à plusieurs reprises. Vous connaissez l'histoire de mon surnom? J'étais un... On va jouer au Bonto, allez, vas-y. Niveau 1. Allez, mon pote, déjà, tu montes la thune. Vas-y. Milieu, ok. Où est la bille, mec? Elle est là. Moi, je dirais là. Non, le truc, c'est de regarder les gobelets quand je les bouge. Oui, mais il y a une ombre, mon pote. Ça suffit. Non, mais il y a une ombre de merde. Je fais de l'ombre et en plus il fait nuit, donc c'est pas la peine. Oui, vous pouvez aussi appeler ça de la rage kit, mais bon. J'aurais tué le type si j'aurais été dans GTA. Voilà, mais on n'est pas dans GTA, on est un protecteur. Et si vous voulez bien vous pousser quand je roule, s'il vous plaît. Même si je suis sur une rue piétonne, je m'en tape. Je suis Aiden Pierce, votre héros. Dégage. Voilà. Vous voyez comment ils se mettent sous ma roue. Sous mes roues plutôt. Je trouve pas ça vraiment cool, hein, de leur part. Allez, on va aller au système CTOS. C'est vrai, on doit piroter le système CTOS. Bon, on va le faire tout de suite. Bon, on va dire que l'acte 2 me plaît pas trop maintenant, puisque on va dire que la fin me plaît un peu plus que le début. Parce qu'au début, on devait pirater si on apprend un peu plus sur le héros et tout, donc ça va. Mais voilà quoi. C'est pas top top. Hop. Hop. Allez, boum, voilà. Je ne sais pas conduire, je le sais. C'est pas peine de me le dire, je sais que je ne sais pas conduire. Et je m'en tape complètement. Voilà, on tourne à droite. On passe par là, la rue piétonne au corps. Ah ouais, ça fait belle des gens qui bougent, regarde. Regardez. Boum, 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 boum. Bon ben là, je suis plus vraiment un protecteur. Hein. Il y a un rouge, il faut que je le tue. Hé, hey, faites demi-tour. Ok. D'accord. Ah ouais, c'est toujours ce truc où tu dois buter tout le monde quoi à la fin. Oh, je sais pas qu'on peut monter là. Déverrouiller.
Ouais, je vous dis toujours regarder partout avant d'y aller. Voilà. Identifiez-vous. Voilà, lui aussi, il va plus m'ennuyer. Voilà. Appelez les autres. J'y vais. Les renforts sont là. Putain. Oh, et puis merde, hein, je suis repéré. Ah!
Alors moi tous les cons qui sont revenus en renfort dehors en voiture ils sont morts. Tu tiens qui toi? Oh, toi tu tiens personne déjà. La cible se déplace. Oh ta gueule. Voilà. Pas genre un petit... Ok. Intrusion. On s'introduit dans le complexe. Alors. Alors. Ok. L'un après l'autre. Voilà. Boum. Hop. Voilà, oh, c'était rapide, c'était facile. On va regarder quelques petites vidéos. Combien de données le site iOS récupère-t-il? Ouga. Et oui, c'est la question. Pour en faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire toutes ces vidéos? Bon, ben voilà, c'est fini. Le district. Voilà qui est fait. Est déverrouillé. Autour de Chris. Et il pleut. Non. Et il pleut beaucoup, hein. Il pleut. Quand eux disent qu'il pleut, oui, bonjour, c'est Aiden, rigole pas. Claude Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou... quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord.